I primi giorni di scuola Strehler ci ha messo in mano il copione dell'Arlecchino. Donc les premiers jours de cours, Strehler nous a mis dans les mains le script d'Arlequin. Perché lui sapeva che questo era un dono che ci avrebbe accompagnato per tutta la vita. Il savait que c'était un don qui nous accompagnerait pendant toute la vie. Sapeva che l'Arlecchino, oltre a essere uno spettacolo, è una sorta di forziere che contiene tesori teatrali. Donc il savait que Arlecchino, en plus d'être une pièce de théâtre, c'est quelque chose qui contient des trésors de théâtre, des trésors théâtraux. Des tesori di esperienza teatrale. Des trésors d'expérience théâtrale. Tutto quello che è l'arte dell'attore è compreso nell'Arlecchino. Tout ce qui est l'art du comédien est compris dans Arlecchino. Ma non soltanto nello stile della commedia dell'arte. Pas seulement dans le style de la commedia dell'arte. Ça c'est la surface. Et la superficie, non? Et il ritmo. Le rythme, l'uso della voce, l'utilisation de la voix, il gesto, le geste, il canto, le chant, la relazione con lo spazio, la relation avec l'espace, anche uno spazio semplice come questa pedana, même un espace simple comme cette estrade, ha delle regole complesse, il a un espace, ce genre d'espace a des règles complexes, richiede un utilizzo accurato, il demande une utilisation soignée, un'economia del movimento, une économie du mouvement. E tutto questo è diventato la nostra, come il nostro apprendistato teatrale. E tout ce genre de choses a été notre façon d'apprendre le théâtre. C'est ainsi qu'on a été un peu des apprentis. E questo di cui parlava Giorgia, particolarmente importante, questo senso di lavoro d'équipe. Était très important. Je veux revenir sur ce travail d'équipe. Perché Strehler era assolutamente consapevole e ci istruiva a questa sorta di intercambiabilità. Donc Strehler avait cette conscience, il voulait nous apprendre, il voulait nous transmettre cette idée de rôle interchangeable. Bene, sono passati quanti anni? 30. Donc ça fait maintenant 30 ans que sono passati 30 anni e siamo ancora qui. Et on est encore là. Io personalmente non recito più da tanti anni, ogni tanto. Alors moi personnellement je ne joue plus depuis Facevo pas mal de temps, je le fais seulement de temps en temps. E poi sono passato ad assistere Ferruccio nella messa in scena di questa versione. Maintenant, par exemple, j'ai assisté Ferruccio dans la mise en scène de cette version. Nel 97, più o meno, anche io. A partir de 1997. E continuo a essere stupito dalla qualità di questa equipe. Et je continue à être émerveillé par la qualité de cette équipe. De cette équipe supervisionnée et guidée par Ferruccio. Cette équipe conduite et supervisionnée par Ferruccio. Merci. Io so che Ferruccio ci conosciamo da 30 anni appunto perché lui era nostro insegnante a scuola di commedia dell'arte. Donc moi je connais Ferruccio depuis 30 ans justement, c'était notre enseignant. E quindi so quanto è un uomo schivo. Je sais combien c'est un homme réservé. E che ama fare il suo lavoro e far parlare il suo lavoro. Qui aime faire son travail et faire parler son travail. Più che parlare del suo lavoro. Plus que parler de son travail. Ma Strehler ci ha insegnato che il teatro esiste soltanto nell'atto del teatro. Et Strehler nous a appris que le théâtre existe seulement dans l'acte du théâtre. Allora va bene così. Alors ça va c'est très bien ainsi. E noi possiamo raccontare qualcosa in più. Et donc on peut raconter quelque chose de plus.